Bonjour, Philippe du blog Piloter TPE. Aujourd'hui un article court pour vous parler d'un point important que je constate régulièrement depuis plus de 30 ans que je bosse sur la gestion des priorités. C'est que nous surestimons grandement le temps que nous pouvons consacrer sur le court terme. Et inversement, nous sous-estimons, mais encore plus important, le temps que nous pouvons, et les résultats évidemment qui vont avec, consacrer sur le long terme. Donc aujourd'hui, c'est pour vous faire toucher du doigt par une technique particulière, qui est la technique du trombone. Alors, pas le trombone à coulisses, hein, le petit trombone qu'on utilise en back office pour remplacer la graffe. Alors ce trombone, c'est une technique qui m'a été inspirée par une lecture que j'ai faite il y a très longtemps, qui expliquait la différence entre un très bon commercial et un autre. Et quand on lui demande pourquoi il a cette réussite-là, il dit, ben voilà, moi tous les matins, j'ai ma boîte de trombone qui est pleine et je passe des coups de fil tant que j'ai les trombones. Et je ne m'arrête pas tant que j'ai les trombones. Et effectivement, il n'était pas forcément meilleur, en tout cas au début, que ses collègues, sauf qu'il passait plus de coups de fil. Et donc forcément, statistiquement, il avait davantage de résultats. Et puis l'entraînement, comme disent les Américains, deliberate practice, ça faisait la différence. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire deux choses. D'une, pas d'acheter une boîte de trombone, mais pourquoi pas. C'est de mettre en place de la régularité. Il y a des petites choses qui peuvent se faire petit à petit, tout doucement, tranquillement, et au bout du compte, au bout d'une semaine, d'un mois, d'un an, ça va faire des différences phénoménales. Et pour cela, on va travailler sur deux choses. D'abord, on va y aller avec trombone. Prenez 10 trombones, mettez-les dans une boîte et attaquez-vous à quelque chose que vous voulez faire avancer ou il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, mais ça ne vous passionne pas. Et résultat, ça n'avance pas. Et vous démarrez aujourd'hui ou demain, mais pas dans une semaine, très vite, à aller sur cette petite tâche régulièrement. Et vous passez une tâche répétitive, un trombone. Et ensuite, je continue. Ça pendant 3 semaines, 1 mois. Et puis, au bout de 1 mois, vous passez à 20. Je vous donne un exemple. Je travaille avec sur des réseaux où j'ai pas mal de contacts, mais je n'ai pas leur adresse mail. Et ce réseau ne facilite pas les choses. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 9 mois, je travaille à vraiment faire grossir ma liste. Parce que la liste, elle est déjà qualitative, mais au niveau des mails, je n'ai pas ces mails-là. Eh bien, tous les jours, j'en fais 10. Multiplié par 9 mois, vous voyez le nombre de contacts supplémentaires que j'ai pu récupérer dans mon système de CRM. Donc, trouvez-vous comme ça une tâche facile à faire, mais pas forcément très passionnante, et puis allez-y. Les Américains, ils disent souvent « every day or no way », c'est-à-dire ou je le fais tous les jours ou aucun. Donc, commencez aujourd'hui et on refait le point dans un mois. J'aimerais beaucoup que vous me mettiez vos commentaires sur le sujet. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans ce système-là, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. En dessous de la vidéo, vous avez un lien vers mon livre, l'effet cumulé, guide pratique, qui va vraiment vous aider à mettre non seulement le pied à l'étrier, mais surtout à faire en sorte que vos petits pas de poussée deviennent des pas de géant et vous propulsent vers le chemin de la réussite. Je vous dis à très bientôt, une excellente semaine et de retour sur le blog.